Bonjour à toutes et tous, hein, pour celles et ceux qui viennent de se connecter. Je vois qu'on est déjà une grosse vingtaine à être connectés. On va attendre 2-3 minutes, enfin, quelques secondes que les gens se connectent, qu'il y ait les réglages de connexion qui se fassent avant de démarrer ce webinaire. Allez, encore quelques petites secondes, le temps qu'on arrive au moins à la moitié peut-être des inscrits là qui soient connectés. Bon, bonjour à toutes et tous pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Tout le monde n'est pas encore connecté, mais vu qu'on a quand même un programme de l'après-midi relativement chargé, on ne va pas prendre de retard sur le démarrage et les personnes à arriver en cours de route prendront la conférence au moment où nous en sommes. Donc, bienvenue dans cette conférence sur la thématique de la transition climatique de l'agriculture bio sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Donc, simplement pour vous remettre un petit peu dans le contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet que l'on va aborder cet après-midi. Donc, cette conférence était initialement prévue dans le cadre du Salon des professionnels de la bio, La Terre est notre métier, qui devait avoir lieu les 22 et 23 septembre dernier. Voilà, mais qui, compte tenu du contexte sanitaire, nous a demandé un petit peu de revisiter les formats des conférences qui étaient prévues. Et donc, ce webinaire en est la concrétisation aujourd'hui. Vous êtes relativement nombreux à vous être intéressés à la question, donc je vous remercie vraiment de l'intérêt que vous portez visiblement à ce sujet-là. On a dû limiter le nombre de places de ce webinaire et toutes les places ont été prises d'assaut dans les premiers jours d'ouverture de la conférence. Donc vous avez de la chance d'être parmi nous aujourd'hui. Et avant de démarrer, j'en profite également pour quand même remercier l'ensemble des partenaires à la fois institutionnels, financiers et techniques qui nous ont soutenus dans la mise en place de cet événement malgré les divers rebondissements et les adaptations qui sont intervenues sur les derniers mois. Et je me permets également du coup de vous rappeler que l'ensemble des conférences qui ont été reconverties en webinaire sont disponibles sur le site du salon La Terre est notre métier, donc salonbio.fr. Il y a encore deux conférences à venir là dans les 2 prochains jours. Et l'ensemble des conférences qui sont d'ores et déjà passées sont revisionnables sur le site du salon, puisque tous les webinaires ont été enregistrés.
Voilà. Donc, on va démarrer cette session. Je pense que vous devez toutes et tous commencer à être habitués sur les événements qui se déroulent en ligne, mais il est toujours bon de rappeler quand même quels sont les modes de fonctionnement pour que ça se déroule au mieux. Donc, vous avez remarqué que vos micros et vos caméras sont coupés hein, pour tout le monde. Vu qu'on va être relativement nombreux lors de cette conférence, on ne peut pas se permettre que chacun puisse prendre la parole. Seuls les intervenants et intervenantes auront la possibilité de prendre la parole et de faire leur présentation. Vous pourrez en revanche interagir avec eux par le biais du chat, là. Donc, vous avez en bas de votre écran, là, dans la barre noire, en dessous de la présentation, a priori, une petite bulle conversée. Et donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser les questions en direct, en lien avec les présentations qui vont intervenir au long de cet après-midi. Et nous prendrons le temps, là, entre les différentes parties, de prendre les questions et de répondre au maximum d'entre elles. Si jamais il y en a certaines qui restent sans réponse, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout, on prévoit de faire un document recensant l'ensemble des questions du fil de conversation qui vous sera mis à disposition sur le site du salon à l'issue de la conférence également. Donc en termes de déroulé, là vous devez déjà voir sur le côté de votre écran un certain nombre de personnes que vous allez avoir le plaisir d'écouter cet après-midi. Elles vont se présenter en démarrage de leur présentation, mais un très rapide tour de table quand même pour que vous fixiez déjà un petit peu la nature des intervenants qui sont présents. Vous avez Ayo van der Werf, si tu peux lever la main, Ayo, pour qu'on sache qui tu es, qui est ingénieur de recherche à l'INRA de Rennes. Philippe Pointreau, également, voilà, qui est directeur adjoint à Solagro. Daniel Hell, qui est agent à la collectivité Eau du Bassin Rennais et en charge du programme Terre de Source. Et puis Gilles Simoneau, voilà, qui est agriculteur bio à Chavagne et qui fera également une illustration de l'ensemble des propos qui vont peut-être paraître un peu théoriques dans les premières parties pour nous concrétiser tout ça. Voilà, et puis Jeanne Plaz, qui est également présente et qui va m'aider dans le recensement des questions pour pouvoir répondre de manière structurée aux interrogations que vous posez pendant la présentation. Pour que vous sachiez un petit peu comment va se dérouler l'après-midi, là, on va passer 1 heure et demie ensemble. On va commencer par faire un premier point sur le bilan climatique actuel de l'agriculture et plus particulièrement de l'agriculture bio face à l'enjeu du changement climatique. On parlera ensuite des différents scénarios d'évolution souhaitables de l'agriculture à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine et plus particulièrement à l'échelle de la collectivité Eau du Bassin Rennais, avant d'aborder en dernier point des notions de concrétisation et de faisabilité de mise en œuvre de ces scénarios à l'échelle des fermes. Voilà. Et entre chacune de ces parties, il y aura donc un temps de réponse aux questions qui sera octroyé de manière à pouvoir rendre cette conférence un minimum interactive au long de l'après-midi. Voilà, donc on va démarrer. C'est moi qui vais commencer par prendre la parole et donc je me présente parce que j'ai présenté les intervenants sans me présenter moi-même. Je m'appelle Laura Toulet et je suis coordinatrice du pôle développement de la production bio à AgroBio 35. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas AgroBio 35, nous sommes le groupement des agriculteurs bio du département d'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc je vais commencer de manière très rapide hein, et très synthétique, simplement pour replacer l'intérêt d'aborder ce sujet-là aujourd'hui face à l'enjeu du changement climatique. Pourquoi parler d'agriculture et d'agriculture biologique? Donc très rapidement quand même, hein, pour qu'on se rappelle la transversalité de cette question du changement climatique, c'est un sujet qui touche aujourd'hui à un spectre extrêmement large de l'ensemble des composantes de notre environnement. À la fois sur les volets consommation d'énergie et réflexion sur les modes de production et de consommation, comment anticiper les risques et liés aux impacts et aux effets du changement climatique. C'est une problématique de santé publique, d'économie également qui remet en question un certain nombre de modes de vie dans nos communes. C'est un enjeu qui se joue à la fois à l'échelle locale mais également à l'échelle globale. Il y a des questions qui se posent sur le volet de l'adaptation aux effets du changement climatique, également sur le volet de l'atténuation, comment agir pour limiter cette problématique-là. Bon, voilà, donc c'est un enjeu qui est extrêmement, extrêmement transversal, qui touche à plein de domaines de l'économie, et on le retrouve, là je regardais par curiosité un petit peu
la nature des personnes qui étaient inscrites à la conférence. Et on a vraiment une pluralité et une diversité de personnes là qui sont connectées aujourd'hui. Et donc, là, on devrait avoir des échanges relativement intéressants. Pour rappeler aujourd'hui ce qu'on constate, les conséquences principales du changement climatique qui sont visibles à l'échelle de notre territoire, puisqu'on va s'intéresser plus particulièrement à l'Ille-et-Vilaine, qui est notre territoire d'action à nous, Agropio 35. Vous voyez ici sur les graphes qui sont présentés l'évolution de la température sur le premier graphe de gauche, relevé météo de la station de Rennes-Saint-Jacques, et à droite, l'évolution du nombre de journées chaudes. Donc toutes les journées qui sont recensées au-delà de 25 degrés. Et donc dans les deux cas, on observe très clairement une nette augmentation des températures surtout essentiellement depuis les années 80, qui est une tendance qui est mondiale, hein, et la Bretagne et l'Ille-et-Vilaine n'échappent pas à cette tendance globale, avec une augmentation en moyenne de l'ordre de 0,3 degrés tous les 10 ans, avec une accélération depuis les années 80. Et ça, c'est une tendance qui est vraiment globale. Le nombre de jours chauds qu'on constate hein, chaque été, qui augmente de 4 à 5 jours en Bretagne, là encore, environ tous les 10 ans. Donc c'est un rythme, c'est quelque chose qui est vraiment observé et qui se concrétise et qu'on ne peut absolument plus ignorer. C'est des choses que l'on sait, hein, mais je le replace quand même. Dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, une autre conséquence qui est observée et qui a été mesurée de manière locale, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, on était sur un rythme relativement, on va dire, respectable et mettant peu en question l'évolution de nos paysages, mais ce rythme s'est largement accéléré depuis le début du XXe siècle, avec une augmentation moyenne de 20 cm au cours du dernier siècle. Et lorsqu'on fait un focus à l'échelle locale, donc là c'est au niveau de Brest hein, que l'élévation du niveau de la mer a été recensée, on a depuis 1711 une augmentation de près de 30 cm du niveau de la mer, ce qui veut dire qu'à l'horizon 2100, Brest risque d'être légèrement les pieds dans l'eau, avec du coup une élévation qui est passée de moins d'un millimètre par an au cours du XVIIIe siècle à quasiment 3 mm par an sur le dernier siècle. Voilà, donc tout ça pour qu'on se rappelle qu'on est vraiment face à quelque chose qui est concret et dont les indicateurs sont mesurables. Lorsqu'on regarde en termes de projection, vous avez ici sur ce graphe la prolongation de la tendance des évolutions de température, avec comme année de référence la période 1976 à 2005. Et trois scénarios d'évolution. En rouge, c'est la courbe du scénario, on va dire, optimiste, qui est le scénario optimiste selon l'accord de Paris, donc avec un objectif de maintien à plus 1 degré qui est déjà révolu. On sait aujourd'hui que c'est plus tenable. Et en orange clair, c'est le scénario, on va dire, qui est le scénario intermédiaire avec un objectif de plus 2 degrés à la fin du XXIe siècle. Et en violet, le scénario tendanciel ou laisser-faire avec du coup une augmentation au-delà de plus 4 degrés à la fin du XXIe siècle. Donc, on est sur un prolongement de la tendance qu'on observe aujourd'hui, avec une augmentation du nombre de journées chaudes pouvant aller jusqu'à presque plus 40 degrés si on est dans le scénario tendanciel, et une augmentation des températures moyennes, une diminution du nombre de jours de gel. Sur les précipitations, les tendances sont un petit peu moins marquées à l'échelle de la Bretagne, avec quand même une augmentation des précipitations hivernales et une diminution des précipitations estivales, mais une moyenne qui reste relativement stable. C'est la variabilité intersaison qui va augmenter et une augmentation potentielle de la sécheresse des sols au cours de l'été. C'est très rapide, je balaye ça très rapidement, ça ne va pas être le cœur de nos débats aujourd'hui, mais il est toujours bon de se rappeler que les constats sont là et que on ne peut plus ignorer ce qui se passe. Maintenant, pourquoi la question de l'agriculture face à cet enjeu du changement climatique? Il y a trois grandes approches, hein, trois grandes raisons qui nous font vraiment nous poser la question de l'agriculture dans ce contexte du changement climatique.
La première, c'est que l'agriculture est aujourd'hui participe grandement au phénomène du changement climatique. À l'échelle de la France, hein, l'agriculture participe à hauteur de 20% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, avec que ce soit par l'usage des intrants et en particulier des intrants chimiques de synthèse, la gestion des déjections autant que la production que le stockage et l'épandage de ces déjections-là, et également un certain nombre de pratiques qui mettent en jeu des phénomènes physico-chimiques naturels qui émettent des gaz à effet de serre, comme la fermentation entérique, par exemple. Et donc tout ça participe à l'émission de gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. En Bretagne, comparativement à la France, on a une moyenne de 45% des émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de l'activité agricole. Sur certains territoires, ce pourcentage peut monter au-delà de 50%, hein, c'est le cas sur certaines collectivités en Ille-et-Vilaine, et donc qui place quand même l'agriculture comme un secteur incontournable à prendre en compte dans l'ensemble des politiques qui veulent agir en faveur du climat. Le deuxième point, c'est qu'au-delà d'être une cause du réchauffement climatique, l'agriculture subit également les effets du changement climatique. Donc, je vous ai mis là un certain nombre de conséquences qui sont observables directement sur les fermes, que ce soit le risque d'augmenter les ravageurs dans les cultures, l'augmentation des fréquences des événements extrêmes avec l'augmentation des sécheresses, une remise en question parfois de la santé et du bien-être animal. Des choses qui entraînent des pertes de rendement. Voilà, il y a tout un tas de conséquences qu'on ne va pas détailler ici, mais qui sont aujourd'hui observées et qui sont constatées par les agriculteurs. Donc, non seulement sur les territoires, les politiques publiques qui souhaitent agir en faveur du climat ne peuvent pas ignorer l'agriculture aujourd'hui dans leur stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, mais en parallèle, l'agriculture ne peut pas non plus ignorer l'enjeu climatique puisqu'elle en subit les conséquences directes. Et enfin, au-delà de participer au réchauffement climatique, d'en subir les conséquences, l'agriculture est également un levier très fort pour apporter des solutions à cet enjeu du changement climatique, d'autant plus lorsqu'elle occupe une part importante dans les émissions de gaz à effet de serre d'un territoire, que ce soit par le biais du stockage de carbone dans les sols ou la production d'énergie renouvelable. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même un certain nombre de ressources qui permettent, je ne vais pas citer la méthanisation parce que ce serait trop facile, de produire de l'énergie renouvelable à partir des déjections animales, et également un certain nombre de leviers qui sont aujourd'hui identifiés. Vous avez ici, hein, là c'est, je vous ai repris ici les recommandations de l'INRA sur quelles sont les pratiques agricoles à favoriser pour limiter l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. Donc on sait aujourd'hui qu'il y a des leviers, et ces leviers auront d'autant plus d'impact que l'agriculture aujourd'hui sur nos territoires bretons et en particulier de l'Ille-et-Vilaine, participent à une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'était simplement pour replacer dans le contexte et pour vous expliquer dans quelle mesure aujourd'hui il est important et indispensable de s'intéresser à la question de l'agriculture lorsqu'on parle de politique en faveur de la limitation du réchauffement climatique et de l'adaptation des territoires aux enjeux liés au réchauffement climatique. Donc maintenant, je vais passer la parole à Ayo van der Werff qui va se présenter et puis qui va présenter ensuite un certain nombre de résultats pour aborder plus particulièrement la question de l'agriculture biologique sur cette question du réchauffement climatique. Ayo, je te laisse la main pour partager ton écran et puis pour prendre la parole, si tu veux bien. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez Oui, mon c'est écran? parfait. Très bien. Donc, je m'appelle Ayo van der Werff et je travaille à l'INRAE. Ça, c'est le nouveau nom de l'INRA depuis le début de cette année. Et mon sujet de recherche, c'est les questions, l'évaluation environnementale des systèmes de production agricole. Et pour faire cela, j'utilise une méthode qui s'appelle analyse du cycle de vie, qui est une parmi d'autres méthodes d'évaluation environnementale. Mais quand on veut parler de la question du climat, des gaz à effet de serre, etc., c'est quand même, je pense, la méthode qui est la plus appropriée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette méthode?
On peut dire que c'est une démarche d'intégration de connaissances qui a pour objectif d'estimer les impacts environnementaux des activités humaines. On peut aussi dire que ça essaye de modéliser la réalité. La réalité, comme vous le savez, elle est complexe, donc c'est un métamodèle, un ensemble de modèles. Mais il y a deux grandes parties. Il y a d'abord des modèles qui servent à estimer les émissions de polluants et les utilisations de ressources, du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc, le cycle de vie, ça veut dire qu'on prend en compte l'étape d'utilisation, mais aussi l'étape de production et même en amont de production des ressources. Je reviendrai dessus. Une fois qu'on a fait l'inventaire des émissions et des utilisations de ressources, on utilise d'autres modèles pour estimer les impacts sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes et la disponibilité des ressources. Et tout ça, ça permet de renseigner des indicateurs d'impact environnementaux. Donc là, vous voyez un petit exemple. Pour le cas d'une exploitation agricole, on commence d'abord par définir le système qu'on va évaluer. Donc ici, ce sera l'exploitation, mais aussi les intrants utilisés sur cette exploitation. Donc, ça fait un système assez important. On prend en compte les tracteurs, le diesel, les fertilisants, les bâtiments. Ensuite, on fait l'inventaire de cycle de vie. Donc, on établit une liste très longue d'émissions de polluants. Vous en voyez quelques-unes, le nitrate, le phosphore, le CO2, et aussi l'utilisation des ressources. Et ensuite, cette très longue liste, elle est agrégée dans un nombre limité d'indicateurs dont vous voyez les noms. Il y en a certains qui sont en grisé parce qu'ils sont encore un peu moins bien pris en compte par la méthode. Alors, nous, on s'intéresse à l'impact changement climatique qui prend en compte notamment les gaz à effet de serre CO2, protoxyde d'azote, N2O et méthane, CH4. Et donc, cet impact, on peut l'appeler empreinte carbone ou empreinte climatique, mais c'est la même chose, l'impact des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Alors, diapo pour vous montrer que l'ACV, cette méthode, elle est utilisée beaucoup pour évaluer les systèmes agroalimentaires. Vous voyez ici le nombre de publications dans des revues scientifiques par an. Et donc, actuellement, on est à plus de 1000 par an. Mais avant de parler de réchauffement climatique, je voudrais aussi vous parler des limites de cette méthode, et notamment quand on veut évaluer les systèmes agroécologiques, dont l'agriculture biologique, ça pose un problème à cette méthode. Vous voyez sur ce schéma la différence un peu caricaturale entre l'agriculture intensive et spécialisée, qui a pour but principal de produire des quantités importantes de produits agricoles, et en face l'agriculture agroécologique, dont l'agriculture biologique est une incarnation qui produit aussi, mais par unité de surface elle produit moins, mais elle a d'autres atouts tels que elle est meilleure pour la biodiversité, pour la qualité de l'eau, pour le bien-être animal, comme pour la qualité du sol. Et ces aspects complémentaires, on va dire, bien-être animal, ce n'est pas une question strictement d'environnement, mais les autres, oui, et l'analyse des cycles de vie a encore du mal à les prendre en compte. Donc, on peut le dire autrement, cette méthode a, dans un certain sens, une vision limitée des fonctions de l'agriculture, parce que c'est une approche produit qui exprime les impacts par kilogramme de produit. Cela favorise les systèmes conventionnels intensifs à rendement élevé parce que ces systèmes, comme ils sont plus intensifs, ont plus d'impacts environnementaux, plus de pollution par unité de surface, mais elles ont également plus de rendement. Et du coup, quand on exprime l'impact par quantité de produits, les systèmes conventionnels intensifs peuvent avoir moins d'impact que les systèmes agroécologiques. Et ça, c'est notamment le cas pour l'occupation des terres, donc les surfaces agricoles nécessaires par quantité de produits,
Et l'eutrophisation, donc tout ce qui touche aux émissions de nitrates, de phosphates, etc. Il y a aussi évidemment la question de la prise en compte de la qualité des produits, comme on exprime les impacts par quantité de produits, on ne prend pas a priori en compte leur qualité. Et on peut dire dans un certain sens que la fonction territoriale de l'agriculture, donc la fonction de l'agriculture d'occuper le terrain sans trop polluer, on va dire, est ignorée. Alors, il y a des solutions pour ça, qui sont d'exprimer les impacts non seulement par quantité de produits, mais également par unité de surface, et puis de combiner l'approche analyse de cycle de vie avec une autre approche qui s'appelle service écosystémique et qui met l'accent sur tous les services que les systèmes agricoles peuvent fournir, tels que pour la qualité de l'eau, le stockage du carbone, etc. Un deuxième point qu'il faut améliorer dans cette méthode, c'est qu'il y a certaines questions environnementales qui sont souvent négligées dans ces études. On sait que l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle est plus favorable à la biodiversité et utilise beaucoup moins de pesticides et est meilleure pour la qualité du sol. Mais quand on regarde les études publiées, il n'y en a pas beaucoup qui prennent en compte ces questions-là. Donc, on peut dire que ça déséquilibre la comparaison. Et enfin, il y a la question importante des effets indirects d'un passage éventuel à large échelle en agriculture bio. Vous voyez le schéma là, qui est sorti avec une publi internationale il y a 2 ans, qui montre que, en fait, le conventionnel, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut produire une même quantité de produits sur la moitié de la surface, ce qui est à peu près vrai pour les céréales. Et donc, on peut utiliser le reste qui reste libre pour la biodiversité. Donc, ce raisonnement, en bref, c'est l'agriculture biologique a un rendement plus faible. Pour avoir les mêmes quantités de produits, il faut plus de surface et ça va contribuer à la déforestation. Donc, on peut opposer plusieurs arguments à cela. Les modèles économiques qui sont utilisés pour évaluer ces effets indirects, en fait, ne sont pas du tout adaptés à une transition agroécologique parce que ça n'a pas encore été fait en réalité. Ce raisonnement ne prend pas en compte les effets de politiques publiques hein, destinées à réduire les gaz à effet de serre, à protéger les forêts. Elle ne prend pas en compte non plus le fait qu'il est tout à fait possible de modifier nos régimes alimentaires dans un sens moins de produits animaux. Et puis, elle ne prend pas en compte non plus ce qu'on appelle des effets rebonds. Les produits bio sont plus chers, donc les consommateurs ont tendance à en acheter moins ou à changer la composition de leur panier. Et si on en prend en compte des effets indirects, il ne faut pas se limiter au simple changement d'affectation du sol, donc ces histoires de déforestation. Là encore, un truc qui est déséquilibré. Alors maintenant, on va regarder de plus près, on va dire, la performance des systèmes bio en ce qui concerne l'impact changement climatique. Donc là, je vous ai résumé des résultats d'une grande étude biblio qui a comparé 34 études ACV comparant bio et conventionnel. Et on voit que là, vous voyez les résultats pour plusieurs produits et j'ai calculé la moyenne. Vous voyez que quand on exprime les impacts par hectare, les systèmes bio ont en général moins d'impact, moins 60 à plus 3. Donc, la valeur intermédiaire, c'est moins 32%, on va dire. Par contre, quand on exprime les impacts par kilogramme de produit, ben, c'est très variable, vous le voyez, il y a des plus et des moins. Mais en valeur intermédiaire, on a quand même un petit plus. Donc, par hectare, les systèmes bio sont mieux, mais par unité de produit, c'est kif-kif, voire un peu moins bien pour les systèmes bio. Alors ici, vous voyez une deuxième étude de Biblio qui a regardé 164 publications avec un grand nombre de systèmes. Et cette étude a regardé les choses pour le changement climatique, mais aussi pour quelques autres impacts.
Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Que par kilogramme d'aliments, les systèmes bio par rapport au système conventionnel ont besoin de plus de terre. Bon, ça c'est complètement logique puisque les rendements sont plus faibles, causent plus d'eutrophisation, utilisent moins d'énergie, mais émettent à peu près autant de gaz à effet de serre. Et donc vous voyez que ça varie un peu pour le type de produit. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous dire quelques mots sur un projet qui vient de se terminer, où il y avait collaboration INRAE et plusieurs instituts techniques, dont l'ITAB, qui parlent de l'éco-conception. C'est pour vous montrer à quoi ça peut servir aussi, l'agriculture biologique. Et donc, je vais accélérer un peu, mais là, vous voyez, pour un certain nombre d'indicateurs d'impact, dont complètement à gauche, l'impact changement climatique, la comparaison de la situation actuelle, qui est que les porcs, et d'ailleurs c'est pareil pour les poulets, produits en bio, sont en grande partie, ont du soja dans leur aliment, du soja bio évidemment, mais ce soja bio vient en général de Chine ou d'Inde. Et donc nous, dans notre projet, on a calculé qu'est-ce qui se passerait si on remplacerait ce soja importé de assez loin par du soja bio français. Ça, c'est les valeurs en orange, orange saumon. Et vous voyez que pour la plupart des indicateurs, la situation est améliorée quand on utilise le soja français au lieu du soja importé. Et donc ça, c'est un exemple d'éco-conception qui permet de découvrir que dans le cadre du bio aussi, on peut trouver des voies pour faire mieux, réduire les impacts. Alors, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que actuellement, l'ACV a tendance à favoriser les systèmes agricoles intensifs. La démarche permet également l'éco-conception des systèmes agricoles, y compris les systèmes bio. Par unité de surface, les systèmes bio émettent moins de gaz à effet de serre. Donc, quand un territoire va passer en bio, ben, pour le changement climatique, ça va être une bonne affaire sur ce territoire, mais ils sont moins productifs. Et le résultat de cela est que par unité de produit, les systèmes bio émettent autant, voire plus de gaz à effet de serre. Et donc, m'amène à la conclusion, et la chose vraiment importante, c'est que un passage à l'agriculture bio peut être bon pour le climat, à condition de ne pas utiliser plus de terre. Et donc, bon, en gros, ça veut dire de manger moins de produits animaux dans notre assiette. Et puis pour finir, bon, je ne vais pas vous dire le détail, mais quelques publications pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Et je suis convaincu que AgroBio 35 va mettre à disposition les diapos à la fin de ce webinaire. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ayo. Tu fais une transition parfaite. On pourrait presque croire que tu t'es mis d'accord avec Philippe pour la transition qui viendra. Et j'en profite puisque tu tends un peu une perche là, sur la mise à disposition des documents. Il y a des personnes dans le chat là, qui posaient la question de la mise à disposition des supports de présentation. Tout sera bien sûr mis à disposition dans les prochains jours là, sur le site du salon salonbio.fr. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments. En termes de questions, alors moi j'avais une question directement en lien avec l'ACV et sur l'utilisation là, des résultats que tu viens de nous présenter, Ayo. Voilà, à l'avenir, parce qu'on a quand même des résultats là, qui ne sont pas forcément en faveur de l'agriculture biologique à première lecture. Quelle utilisation est-ce qu'il est prévu de ces résultats-là et est-ce qu'il y a un risque du coup de remise en cause quelque part de l'agriculture biologique? Alors, le projet que je vous ai montré, qui s'appelle donc ACV Bio, il a servi à créer des données qu'on appelle d'inventaire de cycle de vie. Donc, c'est des données pour faire des analyses de cycle de vie dans une base de données française nationale qui s'appelle Agribalise. Et ces données ben, permettent à ceux qui sont intéressés de mieux comprendre les points forts et les points faibles des systèmes bio,
la variabilité aussi au sein d'un système bio, parce que vous avez vu les comparaisons que j'ai faites, c'était conventionnel bio, mais évidemment, les gens qui s'y connaissent un peu, ils savent que au sein du conventionnel et au sein du bio, il y a une énorme variabilité en ce qui concerne le niveau d'intensité, la façon de produire, etc. Donc, ça permet aussi de comparer les systèmes bio entre eux. En même temps, ça permet, il est possible de comparer les données bio et les données conventionnelles. Et ça peut être intéressant à condition de prendre en compte les limites que j'ai pointées tout à l'heure. Et puis, ça nous fait, bon, ce que je vous ai montré, ça nous fait découvrir ce qui n'est pas un scoop que dans la réalité. Il n'y a souvent pas des solutions qui n'ont que des avantages. Et donc, le bio, bah, pour moi, en gros, le message, c'est ça peut être une piste très intéressante, mais si on n'adapte pas notre régime alimentaire, ça peut être une chose pas très bonne. Ok, merci pour ces premiers éléments de réponse. Je continue hein, sur des questions un peu techniques par rapport à l'ACV, tant qu'on t'a sous la main, Ayo. Il y a une question sur la prise en compte de la consommation de l'espace agricole dans les pays à partir desquels est importé le soja. Est-ce que l'analyse de cycle de vie tient compte de ça ou pas? L'idée, c'est que quand on a des intrants, ben, on prend en compte les impacts associés à ces intrants. Donc, ces intrants, ça peut être du pétrole, des métaux qu'il faut, ou du phosphore qu'il faut extraire de la terre, mais ça peut évidemment aussi, dans les systèmes animaux, être du soja. Hein, typiquement, en conventionnel comme en bio, il y a une importation de soja. Donc, on prend en compte le besoin de terre et on prend en compte également les émissions polluantes qui ont lieu dans ces pays lointains, et on essaye de prendre en compte l'association entre la production de ces ressources importées et la déforestation. Bon, cette dernière chose est quand même assez compliquée et il y a différentes façons de faire. Il n'y a pas vraiment un consensus sur comment faire cela. Ok, ça marche. Il y a une question, alors peut-être qu'on va se la garder sous le coude pour y répondre après l'intervention de Philippe et de Daniel, parce que je pense que ça va amener des éléments de réflexion pour y répondre qui concernent le quid de la consommation de moins de viande dans un système dit conventionnel. Est-ce que finalement, si on consomme aussi moins de viande en restant en système conventionnel, on ne va pas avoir les mêmes effets favorables? Donc, je vous propose qu'on garde cette question. Philippe, tu la gardes aussi sous le coude. On y répondra après la deuxième partie parce que ça va être pleinement le sujet de ce qui va suivre. Il y a une question un peu technique, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais essayons, concernant le labour. Sur quel est l'impact réel et le poids de la pratique du labour dans les systèmes bio par rapport à l'enjeu du changement climatique? Ben, le labour, on le prend en compte dans le sens que le labour, quand on laboure des terres, ça nécessite un tracteur et du carburant et une charrue. Donc, en général, plus que le travail du sol est intensif et profond, plus que ça consomme d'énergie, de carburant par hectare. Donc, cela est tout à fait pris en compte. Il y a eu aussi d'autres études ACV qui ont comparé les systèmes conventionnels et les systèmes de conservation des terres, donc qui essayent de limiter le labour au maximum. Ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que souvent, il y a une tension entre consommation d'énergie, de carburant pour le travail du sol et la maîtrise des mauvaises herbes et l'utilisation d'herbicides. Hein. Si on utilise des herbicides, du point de vue énergétique, c'est souvent plus favorable que le travail du sol, sauf que ben, ça entraîne des émissions de substances toxiques dans l'environnement. D'accord. C'est vrai que c'est une question qui nous est souvent, qui revient souvent, hein, parce que ça fait partie des arguments qu'on renvoie aux agriculteurs bio sur leurs bénéfices vis-à-vis du changement climatique. Et la question était peut-être plus en lien avec le poids dans le bilan climatique de la pratique du labour ou du,
ou pas dans les systèmes de Ah données. oui, bon. Alors, je n'ai pas exactement en tête. On aurait pu faire cette analyse, on ne l'a pas faite, mais bon, dans les systèmes conventionnels, le travail du sol, c'est peut-être 10 ou 15% de l'empreinte climatique. Il se peut que dans les systèmes bio, ce soit une proportion un peu plus importante, parce que d'une part, il n'y a pas des engrais de synthèse qui pèsent assez lourd dans le bilan climatique, et d'autre part, il y a peut-être un peu plus de travail du sol, comme il n'y a pas les herbicides comme route de secours. Je compléterai simplement en précisant qu'effectivement, ce que tu dis est juste, Ayo. Après, il faut remettre ça dans le nombre de passages d'outils aussi pour le travail du sol dans les systèmes d'élevage qu'on a chez nous sur notre territoire, ou dans les systèmes bio, on va avoir tendance à avoir des rotations qui sont beaucoup plus longues et avec des temps d'occupation en prairie beaucoup plus conséquents, et donc un retournement du sol beaucoup moins fréquent que dans des systèmes qui sont sur des rotations beaucoup plus courtes que ce qu'on Tout à observe fait. en bio. Tout à fait. Alors, on a une question sur le CAP2ER, qui est un autre outil d'évaluation de l'impact des fermes, sur que pense-t-on de cet outil-là. Je vais peut-être y répondre rapidement. Je pense que les points de vue peuvent être très variés autour de la table. Nous, simplement, dans l'analyse qu'on a aujourd'hui de l'agriculture, cet outil-là ne nous semble pas forcément complet. Puisqu'on est sur une, on se focalise sur l'impact de l'atelier laitier aujourd'hui sur notre territoire en tout cas, alors voilà, on considère que l'enjeu du changement climatique doit pouvoir être mesurable sur l'ensemble des fermes et l'ensemble des productions, notamment en lien avec la transition des fermes et la question de l'évolution quant à la spécialisation sur l'élevage. Donc c'est plus une question de zone d'application et d'échelle d'application qui nous paraît pas la plus pertinente pour aborder la question de l'agriculture face au changement climatique. Je vais être obligée de clôturer le temps de questions maintenant. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais comme je le précisais tout à l'heure, on renverra une liste des questions avec les réponses qu'on pourra apporter ultérieurement. Je vais passer la main du coup pour la deuxième partie de ce temps de présentation à Philippe Pointreau pour qu'on rentre un petit peu sur le sujet des scénarios d'évolution souhaitables de l'agriculture en Ille-et-Vilaine, favorable au climat. Et donc Philippe, je vais te laisser commencer par te présenter et puis ensuite présenter tes travaux. D'accord. Juste, Laura, vous voyez mon écran là? Très bien, D'accord. parfait. OK. Donc, Philippe Pointreau, comme ça a été dit, je suis directeur adjoint à Solagro. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur notre scénario, donc After 2050, j'en dirai quelques mots, mais aussi sur un programme de recherche avec l'INSERM qui s'appelle BioNutriNet, où on a évalué l'impact d'un régime alimentaire bio et conventionnel sur la santé, sur l'environnement et sur le volet économique. Donc, je vous donnerai aussi quelques résultats. Voilà, puis on essaye d'accompagner l'ensemble des acteurs, que ce soit les entreprises agroalimentaires, les collectivités locales ou les agriculteurs, sur la transition agroécologique et énergétique qui est plus que nécessaire, quoi. Voilà. Alors justement, je vais commencer par la première diapo qui est quand même la feuille de route, c'est-à-dire que on a une feuille de route aujourd'hui que mise en place par l'Europe, mais aussi le gouvernement français, que tous les acteurs de la société devraient mettre en œuvre, hein, que ce soit l'administration, mais aussi les régions, toutes les collectivités, les entreprises, y compris même les consommateurs. Avec cet enjeu quand Laura a bien précisé ce qui nous attendait sur le changement climatique, si on veut éviter la catastrophe, il faut quand même à minima appliquer l'accord de Paris pour rester sous la barre des 1,5 degré, qui est donc pour la France de réduire de 75% nos émissions territoriales, ce qu'on appelle le facteur 4, hein, parce que réduire de 75%, ça veut dire diviser par 4. Pour l'agriculture, c'est un facteur 2, quoi, voilà. Et actuellement, d'ailleurs, Solagro travaille avec la région Bretagne pour essayer d'avoir un plan, un scénario pour que la Bretagne atteigne ce facteur 2. C'est pas simple. Et en plus, se rajoute, comme vous ne réduisez pas de 100%, il reste 25% d'émissions, qui sera notamment les émissions agricoles, hein, de méthane et de protoxyde d'azote qui ne sont pas décarbonables.
L'objectif, c'est de neutraliser ces dernières émissions, d'ici 2050. Donc, c'est vraiment un challenge, un défi énorme. Et le Covid, du fait qu'on se déplace plus, ça n'est qu'une petite marche sur tout ce qu'on va devoir faire, quoi. Voilà. Il y a aussi la réduction de l'usage des pesticides. Voilà, c'est aussi pour ça que le bio est important. Hein. Bon, c'est un objectif, comme vous voyez, avec les dernières nouvelles qu'on a du mal à atteindre. On se demande même si on ne recule pas avec la réautorisation des néonicotinoïdes et puis l'abandon par le chef de l'État de la sortie du pesticide, enfin du glyphosate d'ici la fin de l'année. Voilà, il y a des objectifs sur la bio, bon, aussi sur la perte de biodiversité. Donc c'était à la fin de l'année. Malheureusement, les rapports de la Cour des comptes européenne, de l'évaluation de la directive Natura 2000, plus d'autres travaux de recherche montrent très clairement que ce n'est pas du tout le cas. Et je dirais même que l'agriculture est une menace pour la biodiversité. C'est ce qui est mis dans l'évaluation des zones Natura 2000. L'agriculture est une des principales menaces de la biodiversité et je dirais les pesticides en sont une seconde. Voilà, bon, les qualités des masses d'eau, vous êtes bien concernés en Bretagne. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est le fameux Plan National Nutrition Santé, le quatrième, qui doit être mis en œuvre par Santé Publique France. Alors, il y a peut-être d'autres choses à faire en ce moment. Mais ce PNNS qui doit être appliqué d'ici 2025 est une vraie feuille de route pour l'agriculture, avec notamment ce qu'a dit Ayo et Laura, d'aller vers un régime plus végétal, hein, donc avec une limite de la consommation de viande bovine et de charcuterie, et puis d'aller consommer plus de légumineuses, mais surtout de consommer des produits végétaux non contaminés par les pesticides. Donc je veux dire que la feuille de route est très claire, il faut mettre à la disposition des consommateurs très rapidement des produits non contaminés par les pesticides, et aussi un sous-objectif qui est de produire pour 100% de la population française 20% de produits végétaux bio. Voilà, ce qui n'est pas la même chose que les 20% de bio dans la restauration collective. Enfin, c'est complémentaire, on va dire. Voilà. Alors, nous, là où on est convaincus, c'est que pour réussir cette transition, et donc notamment climatique, comme l'a dit Ayo, et je pense comme le diront d'autres intervenants, le levier essentiel, c'est qu'il faut changer notre assiette. Et Ayo a tout à fait raison. Si on veut passer au bio, il faut aussi changer notre assiette. Alors, à la fois pour des raisons, comme il l'a dit, de surface. Hein, la bio, c'est vrai, produit moins globalement à l'hectare. Ce n'est pas vrai pour toutes les productions, mais c'est en gros, pour les serres à la paille, on est bien à moins 50%. C'est moins pour le maïs, c'est moins pour la luzerne, c'est moins pour les légumineuses. Donc ça, mais en n'oubliant pas quand même que la principale raison pourquoi les conventionnels produisent deux fois plus de rendement à l'hectare, c'est essentiellement uniquement à cause de l'azote chimique. Cet azote chimique, il faut quand même avoir en tête que dans 20 ans, logiquement, on ne doit plus utiliser d'énergie fossile. Donc les consommateurs conventionnels, normalement, n'auront plus à disposition dans 20 ans cet azote chimique. Et donc, il serait important qu'ils se posent la question maintenant de comment ils vont faire, puisqu'en fait, c'est des systèmes qui ne sont pas du tout en cohérence avec les politiques publiques, alors que finalement, la bio aujourd'hui est vraiment finalement précurseur, puisqu'elle est sortie de l'azote chimique. Il va falloir qu'ils réfléchissent, comme l'agriculture conventionnelle, à la sortie des carburants fossiles. Voilà. Et donc, dans cette assiette plus végétale, eh ben, on retrouve notamment plus de consommation de fruits et légumes, 500%, donc 5 fois plus de légumineuses, voilà, mais moins 48% de viande bovine, moins 43% de produits laitiers, quoi. Donc ça, c'est le premier levier de la transition. Le deuxième, c'est d'aller vers des pratiques plus agroécologiques, donc, dont le bio fait partie, avec toutes les pratiques agroécologiques que vous connaissez, qu'on ne va pas développer là. Mais ça se traduira notamment pour la France par une augmentation des surfaces de fruits et légumes de 450 000 hectares, ce qui fait énormément d'emplois à créer, et aussi 2 millions d'hectares de protéagineux, puisque l'objectif, c'est ne plus importer de soja, ni du Brésil, ni des États-Unis, ni même de Chine, comme l'a dit Ayo. Voilà. Alors, toute la conclusion des travaux qu'on a menés en BioNutriNet, c'est que le changement de régime et le changement des pratiques,
c'est ce qui fait tout l'intérêt d'un régime bio, puisque là, vous avez la comparaison non pas des produits, mais d'un régime, c'est-à-dire qui intègre tout ce que je mange, un consommateur conventionnel ou bio. Et là, on voit clairement que si on peut avoir des impacts, donc si le blé bio nécessite plus de surface par kilo, en tout cas dans un régime global, un consommateur bio a besoin de moins 23% de surface en moins. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce que montre ce graphique. Après, ce qu'il faut voir qui est important, c'est qu'en fait, l'essentiel de l'empreinte surface d'un régime conventionnel, mais même bio, mais surtout conventionnel, c'est que seulement 10% des surfaces sont liées à la consommation de produits végétaux, fruits et légumes, café, vin, oléagineux, sucre, légumineuse, mais 90% c'est des produits animaux, dont une grosse majorité est la viande et le lait qui est en gris. Voilà, le porc et les volailles, finalement, c'est pas tant de surface que ça. Voilà, alors les bio, comme ils consomment moins de produits animaux, ben la partie des produits végétaux ne représente plus que 24%. Quoi. Voilà. On a à peu près le même résultat pour les gaz à effet de serre, avec une baisse des émissions périmètre ferme, hein, puisque là, c'est vraiment des résultats périmètre ferme et non pas périmètre distributeur ou périmètre cuisine, on va dire. On est à une baisse de 37%. Donc, on a bien un consommateur bio qui intègre à la fois donc les modalités de la production bio, mais aussi la façon de manger, bah réduit les gaz à effet de serre de 37%. Sachant qu'un consommateur bio dans notre panel, c'est quelqu'un qui mange environ 70% de produits bio. Quoi. Voilà. Et on voit à nouveau l'importance des produits animaux dans les émissions. Pour en revenir un petit peu, juste une diapo que j'avais mis dans le travail qu'on a mené avec Daniel et Aude du Bassin Rennais là, sur les prévisions météo sur vraiment la zone de Rennes, on va dire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a bien, vous voyez, sur donc, trois stations, une montée en température entre aujourd'hui, on va dire, et 2050, à peu près 0,8 degrés. Mais surtout, ça va se traduire quand même par un déficit hydrique. Alors, même si la pluviométrie dans l'année ne bouge pas tant que ça, comme l'a dit Laura, du fait d'une augmentation d'évapotranspiration, on va creuser un déficit d'environ 50 mm, ce qui est très important. Quoi. Et donc ça va poser, si par exemple le bassin rennais a des vrais soucis de qualité de l'eau, il en aura demain aussi sur la quantité, du fait notamment que vous êtes une région où vous n'avez pas de fleuve et pas de nappe phréatique. Quoi. Voilà. Alors, ce qu'on avait montré aussi, la particularité du territoire du bassin rennais, donc c'est une grosse partie de l'Ille-et-Vilaine, mais ce n'est pas exactement l'Ille-et-Vilaine, c'est qu'en fait, vous le savez bien, on est avec beaucoup de production animale, donc beaucoup de porcs, on en a parlé, beaucoup de volailles, mais aussi des vaches, et un peu de... Et voilà. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, on avait une autonomie alimentaire de ces animaux que de 37%, c'est-à-dire que malgré une potentielle utilisation de l'ensemble des céréales produites sur le territoire, donc c'est ce qui est à droite du diaporama, là, les 653 000, en gros, on considère que tout ce qui est produit en céréales est consommé par les animaux, tous les tourteaux, il n'y en a pas beaucoup, mais qu'en fait, il faut importer 472 000 tonnes de tourteaux, soit l'équivalent de 175 000 hectares, alors, qui vient, je pense, majoritairement d'Amérique du Sud, puisqu'on a affaire à du conventionnel, peut-être un peu des États-Unis, peut-être un peu de Chine, et puis aussi presque 700 000 tonnes de céréales, c'est-à-dire 100 000 hectares. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une surface équivalente au territoire, à l'extérieur, en France ou à l'étranger, pour finir de nourrir tous les animaux. Quoi. Voilà. Et en fait, la consommation humaine de céréales, qui était évaluée à 94 000 tonnes, qui représente 14 000 hectares, bon, potentiellement, ils existent, mais on peut supposer que l'essentiel de ces céréales n'est pas voué à l'alimentation humaine, mais plutôt à l'alimentation des animaux. Voilà. Donc, en fait, on est dans un contexte sur ce territoire avec beaucoup de production animale, mais finalement avec une consommation qui est finalement assez faible, sauf pour la viande bovine. Donc, en fait, par exemple, seulement 32% des poulets et 9% du porc est consommé sur le territoire, quoi, et 17% du lait. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que dans une transition, l'idée c'est quand même à la fois de réduire la production, de réduire la consommation et d'accroître l'autonomie, et on verra ce que ça donne. Donc c'est vrai qu'on a imaginé donc, un régime
Alors, on avait fait un panel dans le travail qu'on avait fait avec Audu Bassarenet. Donc, on avait quand même conservé un petit peu des régimes actuels. ANC, ça veut dire apport nutritionnel conseillé, c'est-à-dire qu'au moins, on s'assure qu'on part sur un régime où on a vraiment tous les nutriments. Voilà, avec une assiette qu'on avait appelée after et puis une assiette encore un peu plus poussée dans la réduction des protéines végétales. Donc, ce qui fait qu'au final, dans le scénario qu'on a mené, donc en rouge c'est after et en bleu c'était la situation actuelle, donc on a bien une diminution importante pratiquement de moitié des vaches laitières. Par contre, on augmente les brebis et les chèvres. Et puis on maintient quasiment le troupeau allaitant. Et puis on a aussi donc une réduction quasiment de moitié du nombre de porcs, de poules pondeuses et de poulets de chair. Donc ce qui est quand même une vraie transition, mais a priori compatible avec ce que viennent d'annoncer les présidents des chambres d'agriculture qui disent qu'il faut pas continuer à produire beaucoup, mais surtout à créer de la valeur ajoutée. Et je pense que ces modèles-là sont vraiment des modèles de créateurs de valeur ajoutée en réduisant, mais en allant vers plus de qualité, moins d'intrants, et donc certainement une meilleure rémunération des agriculteurs. Bon, je vais passer sur celui-là. Voilà, donc au final, en jouant à la fois sur l'évolution du troupeau, l'évolution de la consommation, finalement, même en ayant mis en place ce scénario, on reste encore sur un schéma où le territoire sera encore largement exportateur de produits animaux, hein, puisqu'il va ne consommer que 12% de ses porcs, mais maintenant 49% des poulets, 64% des œufs, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut encore imaginer d'autres scénarios avec encore une réduction plus importante de porcs. Voilà. Là, c'est sur les produits laitiers. Donc là aussi, finalement, on réduit quand même beaucoup la production de lait, mais comme on réduit aussi la consommation, finalement, il y a toujours un différentiel. Donc là, on passe de 7% de consommation locale à 24%. Quoi. Voilà. Alors, pour refaire le même schéma que tout à l'heure, ce qu'on voit quand même, c'est qu'en développant un tel scénario qui réduit les troupeaux, mais qui ne les fait pas disparaître, hein, on arrive à gagner en autonomie puisqu'on passe à 62%, enfin on est loin d'être à 100%, et on continue quand même d'importer des tourteaux et des céréales. Quoi. Voilà. Donc c'est vrai que si vraiment on voulait aller vers un scénario totalement autonome, on serait encore obligé de réduire encore plus fortement les cheptels. Bon, ce n'est pas ce qu'on a fait dans le scénario actuel. Quoi. L'idée, c'est d'aller vers donc, des élevages donc, dont la moitié sera en bio, des élevages sous label, donc qui vont avec souvent des temps d'élevage plus longs. D'ailleurs, ces temps d'élevage plus longs expliquent aussi pourquoi les ACV d'un poulet label rouge ou d'un poulet bio sont plus élevés ou plus défavorables qu'un poulet conventionnel à 40 jours. Quoi. C'est aussi qu'ils sont élevés sur une période plus longue pour avoir une viande beaucoup plus goûteuse. Quoi. Voilà. Et puis là, un petit schéma qui résume un petit peu le lait, qui est quand même un élément aussi dominant sur votre territoire, en Bretagne en tout cas, qui est demain d'avoir des systèmes laitiers totalement à l'herbe. Bon, il en existe quelques-uns hein, dans vos réseaux de fermes, mais là, l'idée, c'est qu'ils représentent entre 10 et 20% des systèmes voilà, qui consomment beaucoup d'herbe et peu de concentré. Donc en gros l'idée c'est plus d'air, plus de pâturage, essayer d'avoir des races mixtes parce qu'on va avoir un souci dans un tel scénario pour valoriser toutes les cheptels allaitants de Limousine, Charolaise ou Blonde d'Aquitaine. Voilà. Et puis avoir une plus grande autonomie en concentré et aussi finalement consommer moins de concentré par litre de lait. Quoi. Ce qui veut dire qu'au final on va... sur la période, réduire la production laitière par vache d'ici 2050. Quoi. Voilà. Donc là, c'est pour résumer un petit peu ce qu'on peut donner sur la production laitière. Donc là, vous avez un peu un système traditionnel qui fait 9 ml de lait par vache, qui consomme 130 g de concentré par litre de lait, avec 450 ml de lait sur les 60 hectares.
voilà, avec du maïs en silage, l'importation de tourteaux, une IFT, donc les traitements qui représentent 2,2 sur l'ensemble de la surface, et puis un gros surplus d'azote, d'ailleurs qui fait que je ne comprends pas toujours dans les ACV pourquoi la bio, même rapportée au kilo de produit, est plus mauvaise en eutrophisation. Il faudra, Ayo, que tu m'expliques, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Alors après, donc le système de demain, bah, c'est plutôt une race mixte, peut-être comme la Normande. Voilà, une production laitière qui aura diminué, la quantité de concentré qui aura aussi chuté par deux, avec plus de pâture, éventuellement donc une plus grande autonomie, voire une partie dans l'assolement. Ça préparera le travail, l'intervention de Gilles, de réintroduire dans ces exploitations des cultures de vente, que ce soit des céréales, des légumineuses ou même des légumes. Voilà, avec pour nous, dans le cadre de la transition énergétique, aussi une production de biogaz, qui fait l'objet de nombreux débats en Bretagne comme ailleurs, mais qui devrait permettre aussi à l'agriculture de devenir autonome en énergie rapidement, et voir soit de faire rouler ses tracteurs, soit d'avoir d'autres utilisations. Mais c'est pour nous important d'avoir une transition dans tous les domaines et d'avoir toujours une vision très systémique de la transition. Quoi. Voilà. Donc IFT, ben là on est à zéro, donc on a aussi réglé le problème de des traitements phyto. Quoi. Voilà. Alors aussi un petit mot des travaux qu'on a menés sur l'eau. Donc c'est vrai qu'on a, dans ce territoire d'Ille-et-Vilaine, avec la quantité d'animaux, on a quand même un volume d'eau pour l'abreuvement qui n'est pas négligeable, qu'on avait calculé à 11 millions de mètres cubes, qui dans le scénario passerait à 5 millions, donc on économise 6 millions de mètres cubes. Mais à la fois avec le développement des fruits et légumes qu'on a imaginés, on aurait une augmentation de l'irrigation de 10 millions de mètres cubes. Mais en fait, si on regarde le volet, alors c'est pas tellement pluviométrie, mais c'est le déficit hydrique lié à l'augmentation de l'évapotranspiration des températures estivales, on risque de creuser un déficit qui pourrait être de 200 millions de mètres cubes. Donc c'est vrai que on a quand même des questions à se poser, même sur ce territoire de Bretagne, de la quantité d'eau et des contraintes que ça peut poser, de comment on peut adapter les systèmes à cette contrainte qui va être de plus en plus forte, notamment en été. Quoi. Voilà. Donc après, en termes de bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec cette transition, on est dans la capacité de se passer totalement d'engrais minéraux, donc d'azote chimique. On va réduire fortement l'excédent d'azote, voilà, qui est recherché en Bretagne depuis déjà des années. Et puis en termes de gaz à effet de serre, eh ben, on est dans notre scénario sur un facteur qui est supérieur à 2, donc on atteint bien l'objectif qu'on s'était fixé, avec une contribution qui reste quand même toujours minime de réduction du CO2, non négligeable de protoxyde d'azote, et bien entendu un volet méthane lié à la réduction du cheptel bovin qui est quand même important, puisqu'à lui seul, il assure plus de la moitié de la réduction. Quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'on a du mal à imaginer de toute façon un scénario accord de Paris 1,5 degré sans une réduction du cheptel bovin. Quoi. Voilà. Et puis là, vous avez quelques indicateurs globaux. Donc, ce qui est important, c'est bien entendu la réduction des gaz à effet de serre. Alors, on avait fait là dans ce schéma, vous avez le SAP, c'est un scénario tout bio. Donc, le scénario tout bio, on est arrivé à, bon, en réduction de gaz à effet de serre, c'est à peu près pareil, avec un léger petit plus. Sur la consommation d'énergie, ça rejoint un peu ce qu'a dit Ayo, quoi, une bonne efficacité énergétique de la production bio, même rapportée à la quantité, du fait notamment de l'abandon de l'azote chimique qui coûte beaucoup d'énergie. Donc consommation d'engrais azotés, ben, dans le scénario, on n'en a plus. Les phytos, bah, ils sont fortement réduits et puis il n'y en a plus du tout en bio. Puis même et puis l'émission d'ammoniac, vous avez aussi les évolutions. Quoi. Voilà. Donc pour conclure, je crois que j'ai terminé, oui. Pour conclure, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette vision systémique. Bon, on n'a pas trop parlé de biodiversité, mais
On a quand même aujourd'hui, on vit le Covid. Alors c'est marrant parce que dans le Covid, on nous dit qu'il ne faut pas être confiné et qu'il faut être à un mètre chacun des autres. Mais dans l'agriculture industrielle, tout ce qu'on fait, c'est de confiner les animaux, où on arrive à mettre un poulet sur une feuille de papier A4, et qu'on voit aujourd'hui la menace qui pèse avec tous ces virus du fait des élevages industriels. Donc pour moi, je serais tenté de dire qu'ACV ou pas, aujourd'hui, ces élevages concentrationnaires, alors d'ailleurs, Jocelyne Porcher, elle n'ose même plus parler de mot élevage, elle utilise d'autres termes, ne devraient plus exister demain. Donc on peut toujours faire les ACV, mais en fait, pour des raisons purement de santé publique, sans compter aussi le gros problème de la résistance des antibiotiques, puisque l'élevage dans la planète utilise à peu près 70% des antibiotiques et à peu près 34% en France. Rien que pour des menaces de santé publique, je pense qu'il y a des systèmes qui aujourd'hui devraient être éliminés de notre politique agricole. Voilà, merci. Merci à toi, Philippe. Bon, ça a été un tout petit peu plus long que prévu. Je vais passer directement la parole du coup à Daniel, qui va du coup pouvoir nous illustrer un petit peu le pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder le scénario proposé par Philippe sur le territoire de la collectivité Haut du Bassin Rennais. Et du coup, qu'est-ce que vous en retirez en tant que collectivité en termes de stratégie d'action ? Et je te laisse te présenter rapidement en deux mots avant de commencer. Et du coup, si tu peux être relativement synthétique, ce serait super. D'accord. Donc, bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran. Voilà. Du coup, Daniel L., donc moi je travaille à la collectivité Haut du Bassin Rennais et j'ai en charge la coordination du projet Terre de Source que je vais vous présenter, puisque c'est dans ce contexte que nous avons décliné justement le scénario AFTER 2050 sur le territoire en lien avec Philippe. Du coup, Terre de Source part de l'enjeu de l'eau potable. Et c'est la raison pour laquelle il est porté par la collectivité Haut du Bassin Rennais, qui est le syndicat de production d'eau potable, qui fournit aux 500 000 habitants du territoire l'eau potable. Dans le contexte de la protection, hein, donc si on focalise sur le territoire, hein, que vous avez sur la diapositive ici, hein, donc vous avez le périmètre de la collectivité Haut du Bassin Rennais, hein, qui correspond aux 59 communes maintenant et à partir du 1er janvier prochain à 70 communes, puisque la communauté de communes de Velleville-Aubigné va nous rejoindre. Par rapport à ce territoire de consommation d'eau, vous avez le territoire de production d'eau, hein, qui correspond au bassin versant d'alimentation en amont des captages, ici à l'ouest, hein, donc la Rance, le Meux, Chesse-Canu ici, et puis au nord-est, hein, autour de Fougères, sur le Couesnon, du coup la zone de production qui est d'ailleurs la zone de production la plus laitière de France, hein, puisqu'on a les cantons les plus laitiers. Et donc on a en fait une surface d'alimentation qui correspond à 1500 km² où on a 2000 exploitations agricoles. Dans ce contexte de dégradation de la qualité de l'eau, hein, et complémentairement aux autres actions que nous menons dans cette politique de protection des ressources en eau. L'idée, ça a été de se saisir de nouveaux leviers, en particulier le levier économique. L'idée a été d'inciter, en fait, de pouvoir rechercher en fait une valorisation des produits agricoles, des exploitations agricoles qui s'engagent en faveur de l'eau potable. Et donc, partant d'un besoin des agriculteurs, hein, de dire, bien, nous, on est d'accord de faire évoluer nos systèmes de production, mais on voudrait que ça se fasse dans une démarche gagnant-gagnant. Hein, donc, voilà le projet, hein, que l'on mène, avec un certain nombre d'outils, donc deux outils en particulier, qui vont nous permettre de relocaliser l'économie, et de pouvoir tirer le développement des filières de production.
Ces deux outils, c'est la commande publique, d'une part, hein, en particulier les restaurations collectives, avec une innovation dont je vais parler tout à l'heure, hein, qui concerne une innovation en matière de marché public, hein, qui permet de s'affranchir de l'interdiction du localisme, hein, c'est-à-dire de l'interdiction de cibler un territoire géographique pour cibler les fournisseurs. Et puis le deuxième outil, c'est un label, hein, destiné à faire reconnaître les produits agricoles auprès de l'ensemble des habitants du territoire via un label, hein, et un logo derrière. Et donc la troisième outil d'importance, et là on rejoint en fait le scénario after 2050, hein, en cela, c'est le développement d'une politique très ambitieuse d'éducation à la consommation responsable pour entraîner la population comment consommer des produits vertueux, hein, pour faciliter donc la transition agroécologique du territoire. Ce projet, il est porté politiquement, hein, puisqu'il fait partie des 10 projets de la nouvelle mandature, hein, de la ville de Rennes et de Rennes Métropole, et il est considéré comme un outil structurant pour la transition du territoire. Un point que je souhaite rajouter aussi, c'est bien sûr, à côté de cette problématique de qualité d'eau, c'est la problématique quantité, hein, comme l'a rappelé Philippe. Hein, donc aujourd'hui, on a déjà des soucis de quantité, hein, puisqu'on est obligé d'adapter nos stratégies d'alimentation en eau de la population, mais a fortiori dans les années à venir, avec cette augmentation de l'évapotranspiration qui va avoir pour conséquence de réduire de 30% d'ici la fin du siècle les débits des cours d'eau. Et avec ce point important, hein, de dire que 80% de notre approvisionnement provient des ressources en eau superficielle, donc des rivières et des retenues. Donc dans les faits, hein, pour rentrer un peu dans le détail, donc premier axe, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le marché public innovant. Donc avec une première concrétisation avec la ville de Rennes en 2015 pour l'approvisionnement de ces 10 000 repas jour. La technique de ces marchés publics, hein, innovants, c'est que ce sont des marchés publics de prestations de services et pas de denrées alimentaires. On achète de la prestation de services, protection des ressources en eau, et c'est de cette façon-là que seuls les producteurs en amont des captages d'eau potable sont éligibles et légitimes à répondre à cet appel à prestations. Voilà, donc on a eu une deuxième étape en 2017, hein, avec 15 acheteurs, hein, et puis nous préparons un troisième marché public là auprès de 40 communes pour en face entraîner un nombre grandissant aussi d'exploitations écoles pour répondre. Le cahier des charges, hein, vise à une démarche de progrès des exploitations agricoles, hein, un progrès des systèmes de production évalué sur la méthode IDEA, hein, indicateur de durabilité des exploitations agricoles, qui est une méthode du ministère de la Recherche, direction de la recherche, ministère de l'Agriculture. Deuxième outil dont j'ai parlé, c'est le label, hein, avec le maître mot, hein, qui est le mot pédagogie, hein, qui vise en fait à développer vers le consommateur, hein, toute la pédagogie permettant d'entraîner en fait le consommateur dans une consommation responsable, locale et de qualité sur le territoire. Donc là, on a mis en rayon les premiers produits depuis quelques mois, et puis dans l'objectif, bien évidemment, de développer cette démarche-là dans le temps. Ce projet a été retenu dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, territoire d'innovation, et en étant accompagné sur 10 ans, hein, jusqu'à 2028, avec des moyens conséquents en termes de subventions
et de soutien à l'investissement aussi des entreprises qui vont dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire dans le cadre de ce programme-là? Nous voulons faire trois axes, en fait. Donc, un premier point, c'est de développer les filières de production. Donc, je détaillerai ce point-là dans la diapositive suivante. Développer la demande responsable sur le territoire, hein, en mobilisant les restaurations collectives, mais plus globalement la commande publique, puisqu'il s'agit aussi de développer la production d'éco-matériaux et d'énergie aussi sur le territoire. Développer la sensibilisation des habitants et les accompagner dans cette démarche-là, développer les circuits de commercialisation. Et puis, entre les deux, eh bien, faire le lien entre offre et demande en développant la logistique et puis la création d'une SIC, hein, une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemble tous les maillons des filières. Alors, Daniel, il va falloir que tu conclues si tu peux. Voilà, je vais conclure là-dessus avec le développement donc des filières de production, avec donc des soutiens en termes de subventions auprès des organismes de développement pour développer les filières et des soutiens à l'investissement via des prises de participation dans des entreprises pour soutenir en fait les projets d'investissement destiné à développer les productions. Donc les exemples, c'est la production de protéagineux pour l'alimentation animale en remplacement justement du soja, mais aussi la production de légumineuses alimentation humaine. C'est des outils de transformation en légumes. C'est aussi des outils de production aussi d'éco-matériaux et d'utilisation d'éco-matériaux sur le territoire. Donc voilà un peu les éléments qu'on souhaite développer, hein, avec un développement de nouvelles productions, hein, blé noir, blé planifiable, huile avec des rapports oméga 3, oméga 6, hein, donc en rejoignant l'enjeu sanitaire, et le tout pour suivre cette feuille de route qu'est le scénario que constitue le scénario After 2050 sur les territoires. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. C'est vrai que c'est un petit peu un challenge de résumer en quelques minutes une problématique aussi complexe que celle-ci. On va prendre peut-être deux questions avant que je passe la main à Gilles qui nous illustrera tous ces projets et toutes ces stratégies par ce qui peut se faire concrètement sur les fermes. On a plusieurs questions en lien avec cette question de la diminution de l'élevage, hein, qui rentre dans les feuilles de route proposées. Et notamment en lien avec la question de la fertilisation. Peut-être que Philippe, tu peux répondre à cette question-là de si on part sur un scénario de diminution de 50% de l'élevage, dans quelle mesure est-ce que on garantit l'équilibre de la fertilisation sur nos territoires? Il y avait une diapo sur laquelle je suis passé un peu vite là, sur le bilan d'azote, donc peut-être les gens pourront la voir quand ils recevront la présentation, mais ça va permettre déjà de ne plus utiliser d'azote fossile, d'azote chimique. Donc il faut savoir que ce n'est pas les animaux qui produisent de l'azote, hein. L'azote, au final, il ne vient que de l'azote chimique ou que des légumineuses. Les animaux ne font que recycler ou transférer l'azote, quoi. Donc il est évident qu'avec le fait qu'on importe déjà encore beaucoup d'aliments extérieurs et le fait qu'on va aussi développer des légumineuses, il n'y a pas de souci sur la fertilisation azotée sur le territoire, y compris aujourd'hui sur le phosphore. Alors après, à terme, le phosphore peut poser un problème si on va vers des scénarios tout bio. Hein, c'est quand même un enjeu, donc il faut en tout cas avoir des systèmes qui limitent toutes les pertes. Mais voilà, donc la réduction de l'élevage n'est pas un souci pour la fertilisation des cultures. Hein, il y aura assez d'azote sur le territoire. Hein. Oui, sachant que tu l'as reprécisé, je crois, dans le fil de discussion, mais il y a également la question de la fertilisation par les légumineuses aussi et l'entretien des rotations qui aujourd'hui est sous-exploité et peu, voilà, on a encore une certaine marge de manœuvre et de progression sur ce volet-là. Tout à fait.
Il y a une question qui va dans ce sens aussi et qui met en. Enfin, voilà, la question qui est posée, c'est dans un scénario de diminution de l'élevage, lorsque en parallèle on souhaite maintenir la surface en prairie du territoire, comment est-ce qu'on répond à cet enjeu à la fois de maintien des surfaces en herbe, voire d'augmentation des surfaces en herbe, tout en allant sur une stratégie de diminution de l'élevage? Alors déjà, il faut voir de quelle prairie on parle. Des prairies permanentes, il n'y en a presque plus en Bretagne. Il y a quasiment plus que des prairies temporaires. Et c'est vrai que si on regarde l'assolement d'Ille-et-Vilaine, on a quand même presque un tiers, c'est du maïs en silage, quoi. Donc, c'est évident que dans un tel scénario, on est en capacité de maintenir l'intégralité des prairies permanentes, voire même d'en redévelopper en Bretagne, hein, puisqu'il n'y en a quasiment plus. Notamment, toutes les prairies de fond de vallée, toutes les prairies humides, toutes les prairies extensives. Ça, c'est une priorité. Donc, en fait, il faut quand même bien avoir en tête que bon, pour les ruminants, il y a quand même une partie importante de l'alimentation vient du maïs en silage ou des prairies temporaires. Et puis pour les monogastriques, bon, la question ne se pose pas puisque ça ne repose pas du tout sur les prairies. Donc un scénario de réduction du cheptel n'est pas du tout incompatible avec le maintien des prairies, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est, et c'est pas non plus, ça ne va pas se traduire par une baisse du nombre d'éleveurs. Peut-être Gilles interviendra juste après moi, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les systèmes, notamment si on regarde le lait, qui vont vers la qualité, donc que ce soit du bio ou d'autres labels, qui vont éventuellement vers la transformation, donc qui vont aussi réduire leurs intrants, au final, et sont souvent créent beaucoup plus d'emplois et de valeur ajoutée. Donc, d'aller vers ce qu'on préconise, nous, vers des produits de qualité avec une réduction des intrants, en fait, on peut, même avec moins d'animaux, avoir autant d'éleveurs. Après, je pense qu'un des challenges quand même pour l'élevage, c'est quand même notamment de ruminants, c'est si possible de réintroduire dans les fermes des productions à destination alimentaire pour l'homme. Donc on a par exemple des exemples dans les Pyrénées, puisque moi je suis à Toulouse, donc dans le plateau de Sceaux où des éleveurs de polyculture élevage bovins allaitants ont réintroduit la pomme de terre et maintenant la carotte sur quelques hectares dans leur système. Une grande partie en bio d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir des rotations longues, donc d'avoir moins de pression des ravageurs. Voilà, on peut réintroduire des légumes. Enfin, voilà, c'est ces questions-là, je pense qu'il faut se poser, c'est comment on sort aussi de la spécialisation des systèmes, quels qu'ils soient, quoi. Très bien. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans les questions, parce qu'on va, si on veut donner la parole à Gilles et à remettre un petit peu aussi du concret dans la conférence. Gilles, je te donne la main, je vais t'afficher les diapos en parallèle. Si tu peux nous faire ça en 8 minutes, ce serait idéal, et on terminera peut-être avec 2 ou 3 minutes de retard par rapport au planning initial, mais j'espère que ça ne dérangera personne. Donc je vais te lancer l'écran, mais tu peux déjà commencer en te présentant. Voilà. Bonjour tout le monde, donc Gilles Simoneau. Agriculteur bio à Chavagne, par ailleurs en responsabilité de la présidence de la SIC Manger Bio 35, qui fait de la commercialisation de produits bio en restauration collective, notamment, et qui fait partie d'un réseau national pour favoriser la commercialisation locale des produits paysans. Donc, la présentation de l'exploitation. Donc, je suis installé en 1998. Moi, l'objet de mon installation qui s'est faite en bio directement sur une ferme familiale, c'était plutôt lié d'abord à l'éducation. On était assez ouvert à toutes les problématiques qui étaient plutôt autour des questions de santé, de la dangerosité des pesticides, autour des problèmes de la dépendance aux engrais, autour de la question déjà, il y a 25-30 ans, du soja brésilien, de la destruction de la forêt en Amérique du Sud, et puis autour de la production d'une alimentation de qualité. Donc c'est un petit peu ça, moi, qui a fait mon projet d'installation en bio. Et dans un deuxième temps, assez rapidement, quand je me suis installé en 98, et que je suis vraiment rentré dans le métier, la question de la productivité de nos modèles m'a été un petit peu renvoyée assez sèchement par mes collègues, et puis on va dire par le milieu agricole qui n'était pas très ouvert
il y a une trentaine d'années au bio, et ça m'a posé la question effectivement de la productivité de mon système. Et un deuxième point, c'est que je me suis trouvé assez isolé dans mon métier d'agriculteur, où on était on travaillait assez seul, il y avait un salarié sur la ferme, mais on était quand même moins disponible socialement pour avoir des interactions sociales avec mes amis. Moi, je connaissais parfaitement le milieu agricole, mes parents étant agriculteurs, mais j'avais toutes mes relations sociales en dehors de l'agriculture, et c'est vrai que s'installer paysan à 25-26 ans, quand on est habitué à voyager dans tous les sens, ça a fait un choc. Donc, partant de ces deux postulats, j'ai essayé de construire un modèle plus productif et puis un modèle plus social où j'avais plus d'interactions sociales. Donc, rapidement, la première action, ça a été d'arrêter de faire du blé et des céréales pour nourrir les animaux, mais de faire du blé panifiable. J'ai essayé localement de transformer mon blé en farine. Comme je n'avais pas cette possibilité, on a acheté un moulin, puis on s'est dit, on a de la farine, on peut aller jusqu'au pain. Donc, assez rapidement, en 2010, donc on a démarré le fournil, le pain. On s'est ensuite continué à se diversifier avec l'arrivée d'une maraîchère, donc Sylvie, qui est passée en maraîchage. Donc l'intérêt de la diversification, c'était aussi la mutualisation de moyens. On avait un système laitier, les vaches nourrissent le sol, elles produisent aussi du compost et des engrais qu'on peut réutiliser en maraîchage. Donc ça a augmenté la productivité globale du système, et ça, c'était intéressant. En 2011, on s'est posé aussi la question de l'autonomie au niveau énergétique. Et là, on est parti, il y avait des opportunités aussi de pouvoir réaliser de façon économique des installations photovoltaïques. Et donc, on a une unité qui produit aujourd'hui 250 000 kW d'électricité sur l'année, ce qui correspond à peu près à toutes les consommations nettes de l'exploitation. Une fois que ça a été fait, je me suis dit, ce serait à refaire aujourd'hui, peut-être que les premières questions à se poser sur l'énergie, c'est pas comment compenser notre consommation, mais peut-être réfléchir à comment produire pour moins consommer. Et il y a énormément d'actions qui peuvent s'engager à ce niveau-là. Et on est allé, donc on a continué la diversification. Il y a même un petit atelier d'élevage de porc. On parlait de porc qui est très dépendant des protéines du Brésil. On a aussi un petit atelier de transformation laitière sur l'exploitation. Les cochons, ils consomment le son qui est issu de la meunerie, c'est-à-dire qu'avec le blé, on fait du son et on fait de la farine, avec la farine, on fait le pain, et avec le son, on nourrit les cochons. On a le lactosérum qui est utilisé aussi pour alimenter les cochons. Donc au final, les cochons ne consomment que des sous-produits de l'exploitation. Et quelque part, on ne produit pas, la terre ne produit pas pour nourrir les cochons, mais on valorise des sous-produits pour créer un atelier supplémentaire. Donc voilà un petit peu au niveau des productions. Donc aujourd'hui, on est, je dirais, plus ou moins une vingtaine de personnes à travailler sur l'exploitation, avec des choses qui sont assez diversifiées. On a d'abord en 2011 ou 2013, choisi à un moment où on a eu jusqu'à 10 salariés, on a choisi de couper la structuration de la ferme en créant une SCI et en créant des unités autonomes de production sur la ferme. Donc le maraîchage est devenu autonome, la partie culture, élevage est devenue autonome, les boulangers sont devenus autonomes. Aujourd'hui, il y a 3 structures de boulangerie qui utilisent le fournil, et on a un magasin collectif qui permet de valoriser une partie de la production. On vend aussi en circuit long toujours une bonne partie de la production laitière. Donc on est un petit peu sur deux tableaux, c'est qu'on a à la fois un circuit long assez classique avec une production laitière qui est assez conséquente, de 590 000 litres de lait, avec 95 vaches laitières sur 117 hectares. Donc c'est assez un système qui quelque part pourrait fonctionner de façon autonome et tout seul. Et puis à côté de ça, on a tous les autres ateliers qui, par contre, ont créé de la plus-value sur l'exploitation. La première plus-value qu'ils ont créée, c'est
c'est de, les emplois qu'ils ont créés, c'est aussi la localisation et la relocalisation de la production alimentaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transport, on transforme sur place, on produit sur place pour nourrir les gens autour de chez nous. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour nous. Et puis, on est allé vers la végétalisation aussi de, globale de l'exploitation en introduisant des cultures de légumes et en diversifiant les sols comme ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a toujours ce gros atelier. On parlait tout à l'heure de la question des fois du paradoxe entre la rentabilité des systèmes. C'est vrai que produire aujourd'hui le lait, c'est très rentable. En même temps, d'un point de vue écologique, il y a une certaine incohérence. Donc le souhait qu'on a maintenant, c'est comment diminuer cette production laitière pour continuer à végétaliser et continuer à diversifier. Donc là, je suis en réflexion avec un groupe d'agriculteurs localement pour aller vers des cultures très diversifiées au niveau des céréales, au niveau des légumineuses, au niveau des pois, au niveau de la lentille, enfin, des choses très diversifiées. Et donc c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, mais assez clairement, on va aller vers ces modèles-là. Voilà, ça demande un petit peu de temps pour réaliser. On a aussi sur la ferme des projets liés à l'éducation, puisqu'on fait de l'accueil, et on a même un projet d'école type Montessori dans les années à venir, parce qu'on pense aussi que toute la transition qui se met en œuvre aujourd'hui, elle doit aussi passer par l'éducation, parce que quelque part, c'est toute la chaîne de la société qui doit accompagner cette transition, notamment sur la modification de la façon de consommer et de s'alimenter, sur le pouvoir des consommateurs dans ces évolutions. Et pour que les consommateurs fassent ces choses de façon consciente, il faut qu'ils aient des éléments. Et je pense que l'éducation à l'environnement et l'éducation aux nouvelles formes d'agriculture est une partie très importante pour accompagner ces transitions. Voilà rapidement une présentation succincte de la ferme. Bravo, merci Gilles pour avoir réussi à tenir le compte en quelques minutes. On a perdu Philippe Pointreau en route qui vient de me dire qu'il avait des problèmes de connexion. On va continuer à prendre les questions. Du coup, avant de clôturer très rapidement, je vais pouvoir répondre à une ou deux questions rapidement. Et plusieurs fois est revenue la question de la permaculture en termes de solutions potentielles à la question de la baisse des rendements à l'hectare sur le sujet de l'agriculture bio à l'hectare est finalement moins productive et donc les émissions de gaz à effet de serre ou les impacts ramenés à l'unité de rendement potentiellement plus impactante. Est-ce que, j'ai vu que Gilles, tu avais levé la main, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, c'est un sujet qui est vraiment très très intéressant et pour lequel je pense qu'effectivement il y a des vraies solutions qui sont apportées par la permaculture, mais il y a aussi des réalités économiques qui sont complètement prégnantes et je pense que la productivité à l'unité de surface de la permaculture elle est vraiment très très bonne, mais la productivité de la main d'œuvre nécessaire à la mise en œuvre elle est très mauvaise et très mauvaise. Je veux bien qu'on en discute, mais dans tous les exemples que j'ai vus aujourd'hui, souvent tous les gens qui font de la permaculture vivent plus grâce à des formations que grâce à la production. Et en même temps, je pense que ça remet en cause complètement le modèle de la place du travail, de la place de la rémunération du travail, du sens des choses, parce que d'un point de vue écologique, par contre, c'est très puissant. Mais comme dans mon cas, j'ai été contraint de maintenir un niveau de production laitière assez élevé, qui est assez incohérent, à mon avis, avec un système écologique abouti, donc je n'y suis pas encore réussi. On a aussi ce décalage entre les réalités économiques de production et de rémunération de la main-d'œuvre, et puis la valeur des produits qu'on a et l'accompagnement politique qui doit se faire et qu'on n'a pas aujourd'hui.
Je vais exactement dans ton sens, hein, Gilles. Nous, on avait suivi un petit peu une étude mise en place par Maraîchage sur sol vivant qui accompagne, enfin qui suit des fermes permacoles, hein, en maraîchage. Et on est vraiment confronté à cette problématique de la rentabilité, la rémunération de la main-d'œuvre sur des unités qui demandent quand même une certaine intensité de travail finalement à l'hectare. Je suis désolée, je vais être obligée de clôturer le webinaire maintenant. On a déjà dépassé de 3 minutes. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, donc je vous répète que nous allons faire passer une petite note de synthèse reprenant l'ensemble des questions du fil de discussion qu'on mettra à disposition sur le site du salon salonbio.fr. Le webinaire là, est également enregistré, donc si vous souhaitez le revisionner ou le rediffuser à des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas, il sera également disponible sur le site internet et on vous mettra également à disposition l'ensemble des supports de présentation. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre participation. J'espère qu'on aura réussi à faire un petit peu le tour de la problématique de cette question de la transition climatique de l'agriculture bio et plus généralement de l'agriculture sur notre territoire. Et je remercie aussi l'ensemble des intervenants aussi pour les éléments concrets qu'ils ont pu apporter. Voilà, on vous donnera suite à tous les participants avec l'ensemble des éléments qui viennent d'être présentés. Et puis n'hésitez pas à revenir également vers nous si jamais vous voulez approfondir le sujet. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était un plaisir. Au revoir.